Bonjour à tous et bienvenue dans Chansons d'hier à aujourd'hui, votre émission musicale hebdomadaire sur Radio Présence. En ce début de mois d'octobre, faisons un bond de plusieurs décennies en arrière pour redécouvrir les 20 plus grands succès de l'année 1969 en France. Commençons avec la 20e place qui voit l'affirmation d'un chanteur dont les débuts ont été retentissants. Michel Polnareff connaît un grand succès en cette fin de décennie grâce à ses mélodies mémorables et ses paroles parfois provocantes. En 1969, il fait appel au compositeur Paul de Senneville et au parolier Jean-Loup Dabadie pour ses nouveaux titres. Leur collaboration débute avec Tous les bateaux, tous les oiseaux, vendu à plus de 300 000 exemplaires. À la 19e place, on retrouve les Beatles qui ont toujours la cote en France. En attendant la sortie de leur prochain album, Let It Be, le groupe enregistre Get Back avec un invité de choix, Billy Preston au piano Rhodes. Michel Polnareff est aussi à la 18e place, toujours avec le duo Senneville-Dabadie à l'écriture. Voici Dans la maison vide, précédé par Tous les bateaux, tous les oiseaux sur Radio Présence. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille, moi je t'ai rêvé, tu es venu. Oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'est pas encore un paysage. Ne pleure pas, petite fille, viens. Il y a des voix bas, loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Je te donnerai et les grands bals sur les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. De ce musicien, c'était l'automne à la maison. Je me souviens, oh, de ce musicien, c'était l'automne sur son violon.
Le temps n'est plus où passaient les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans ma maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans ma maison ville, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et j'entends le temps, moi je n'attends personne. Moi de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi de ce musicien, et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé, comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre. Dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends le tonnoi, je n'attends personne. C'était Tous les bateaux, tous les oiseaux et Dans la maison vide sur Radio Présence. Continuons avec la 17e place où l'on retrouve une grande chanteuse italienne, Gigliola Cinquetti. Après avoir remporté l'Eurovision pour son pays en 1964 avec Nonno Letta, la chanteuse s'est fait connaître dans toute l'Europe et notamment en France car elle chante aussi en français. Et en 1969, elle atteint la 6e place du festival de Sanremo avec La Pioggia qu'elle chante également en français sous le titre L'Orage, tout de suite sur Radio Présence. L'orage nous a surpris, mais en attendant l'arc-en-ciel. Moi, je me suis abrité sous ton grand ciré, sous ton ciré, tu m'as serré. Et ton vieux chat noir emporté sur le dos des cartouchières. Mais on est revenu si tôt qu'il a pu, sans une caille, sans canard, sous les nuages noirs. L'orage a fait tomber sur nous toute la pluie du ciel.
écouter L'Orage sur Radio Présence. Le groupe de rock Aphrodite's Child figure à la 16e place du classement. Ils reproduisent le succès de Rain and Tears grâce à Vangelis aux arrangements, Boris Bergman à l'écriture et Demis Roussos au chant avec le titre I Want to Live. À la 15e place, on retrouve une chanson gospel traditionnelle américaine reprise par The Edwin Hawkins Singers. C'est cette version qui permet à la chanson de faire le tour du monde avant d'être reprise par des chanteurs de tous les horizons. Il s'agit du célèbre Oh Happy Day. Le pionnier du twist en France, premier importateur de rock avant même Johnny, c'est Richard Anthony que l'on retrouve à la 14e place. Fidèle à lui-même, il adapte la chanson du groupe The Scaffold, Lily the Pink. En français, ça devient le sirop typhon qui s'écoule à plus de 400 000 exemplaires et que l'on redécouvre sur Radio Présence. Buvons le sirop typhon, universel, panacé, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur Carouge avait le nez rouge et cela le désolait. Une cuillère lui fut salutaire, il a maintenant le nez violet. Madame le prince se trouvait trop mince, elle ressemblait à un bâton. Elle fit une cure sans demi-mesure, elle est plus ronde qu'un ballon. Buvons le sirop typhon, universel, panacé, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur le maire avait des misères, dans ses discours il bégayait. Un petit verre lui fut salutaire, il ne bégayait plus car il aimait. Monsieur Léon, si gentil et si rond, ne gagnait jamais au tiercé. Une cure sévère lui fut salutaire, il est gagnant mais comme jockey. Buvons le sirop typhon, universel, panacé, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Le vieux Pierre était célibataire et voulait le rester longtemps. Il but d'un verre, puis un autre verre. Il a 10 femmes et 30 enfants. Dans le village, tous les enfants sages, écoutant les cloches sonner, rêvent qu'un mage venu des nuages du bon sirop va leur donner. Buvons le sirop typhon, universel, panacé, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. C'était le sirop typhon sur Radio Présence. La 13e place nous rappelle qu'en cette fin de décennie 60, le mouvement hippie bat son plein et ses festivals pop rassemblent des millions d'adeptes. C'est Michel Delpech qui chante l'un d'entre eux, en citant Bob Dylan et Donovan, White is White, que l'on écoute sur Radio Présence. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white,
White is White sur Radio Présence. Pour créer un scandale, qui de mieux que Serge Gainsbourg ? Cela ne lui empêche pas d'avoir des succès populaires, comme à cette 12e place. Il rencontre la jeune actrice Jane Birkin en 1968 sur un tournage et une histoire d'amour naît entre eux. Gainsbourg veut la lancer dans la chanson et il se trouve qu'il en a une toute prête qu'il avait déjà enregistrée un peu plus tôt avec Brigitte Bardot. Celle-ci étant déjà mariée, son époux a souhaité que le disque ne sorte pas. C'est donc le duo Gainsbourg-Birkin qui devient mythique avec ce « Je t'aime, moi non plus ». Résolue
c'était Je t'aime moi non plus. À la 11e place, nous voyons une chanteuse qui a presque 10 ans de carrière, mais pas encore de vrai succès. Sur proposition de Jean Kluger, son producteur, Rick Azaray va chanter un disque instrumental qu'il vient de signer sous le nom de Dimitri Dourakin. Inspiré du folklore russe, ce titre s'accompagne d'une chorégraphie qui fait fureur dans les nuits parisiennes. Mais ce succès n'arrive pas seul, il est suivi d'un autre 45 tours qui atteint la 10e place. Cette fois, il s'agit de l'adaptation de la chanson Vivo Cantando, interprétée par Salomé, lors du concours Eurovision de la chanson 1969, où cette dernière représentait l'Espagne. On écoute d'abord Casa Choc, puis Alors je chante sur Radio Présence.
Écoutez Casa de Choc et Alors je chante sur Radio Présence. Parmi les stars qui éclosent dans les années 60, il y a l'américain Joe Dassin. On le retrouve d'abord à la 9ème place avec une adaptation d'un succès italien de Riccardo Del Turco. Sous la plume de Pierre Delanoë, la chanson L'Oglio devient le petit pain au chocolat que l'on redécouvre sur Radio Présence. Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Un soir on est mariés, aïe, 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 aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, mieux peu comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de Le petit pain au chocolat sur Radio Présence.
À la fin des années 60, le rock commence à se réinventer. Aux Pays-Bas, un groupe du nom de Shocking Blue fait partie de cette nouvelle génération grâce à un son innovant pour l'époque et les capacités techniques du guitariste Robbie Van Leeuwen et de la chanteuse Mariska Veres. Leur premier succès se classe à la 8ème place et sera même repris 17 ans plus tard par Bananarama. Voici Venus sur Radio Présence. Entendre Venus sur Radio Présence. Je vous parlais tout à l'heure des origines de Kazachok, et bien on y revient à cette 7ème place. Avant la chanson de Rick Azaray, il y avait un 45 tours instrumental, écoulé à plus de 500 000 exemplaires, dont la pochette vous apprend les pas de cette nouvelle danse. Continuons à la 6ème place avec à nouveau Joe Dassin. Mieux encore, les deux faces du 45 tours sont de grands succès. En face A, on retrouve un titre composé par Joe Dassin avec des paroles de Pierre Delanoë, Le chemin de papa, dans laquelle il fait référence aux nombreux voyages et déménagements de sa jeunesse. Mais c'est avec la face B qu'il devient un ambassadeur de la chanson française à l'international. En adaptant la chanson Waterloo Road du groupe anglais Jason Crest, Joe Dassin et Pierre Delanoë rendent hommage à la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, tout de suite sur Radio Présence. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin.
Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. C'était les Champs-Élysées sur Radio Présence. À la cinquième place, nous retrouvons un chanteur dont l'unique grand succès sort au mois d'août 69. Directeur artistique chez Barclay, Yves Rose est aussi chanteur, mais se voit contraint de prendre un pseudonyme, celui de Jean-François Michael, pour sortir un disque chez Vogue. Si la musique est composée par Raymond Jeannot, le texte est d'Alain Boublil et Michel Berger, qui n'en sont alors qu'à leur début. Voici Adieu Jolie Candy, vendu à plus de 600 000 exemplaires, à redécouvrir sur Radio Présence. Les vacances à Paris. Adieu jolie Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Adieu, jolie Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu, jolie Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu. Vous venez d'écouter Adieu joli Candy sur Radio Présence.
Après plusieurs disques confidentiels chez Ducret et Thompson, George Moustaki signe chez Polydor et atteint la 4ème place. Son premier succès en tant que chanteur est un titre partiellement autobiographique dans lequel il évoque ses origines grecques. Il s'agit du Métèque que l'on écoute sur Radio Présence. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. C'était Le Métèque sur Radio Présence. Entrons sans plus tarder dans le podium des meilleures ventes de 45 tours de l'année 1969 en France. Un autre chanteur au succès fulgurant apparaît à la 3ème place. Son nom de famille vous dit certainement quelque chose, car sa fille, Ophélie, est aussi devenue célèbre. Je parle bien sûr de David Alexandre Winter. Son premier succès est à l'origine d'une chanson turque du nom de Samanyolu. Elle est adaptée en français par Patricia Carli et Léo Missir. On écoute alors Oh Lady Mary sur Radio Présence. Petite fille, oublie tes pleurs, aime la vie.
Vous venez d'entendre Oh Lady Mary sur Radio Présence. Une fois encore, parlons cinéma à la deuxième place du classement. Le 27 août 1969 voit débarquer dans les salles de cinéma le nouveau chef-d'œuvre de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Le film est un classique, tout autant que sa musique, composée par Ennio Morricone. Le morceau culte est L'homme à l'harmonica, qui s'est écoulé à plus de 700 000 exemplaires et que l'on écoute sur Radio Présence. C'était L'homme à l'harmonica sur Radio Présence. Comme vous le savez, Chanson d'hier à aujourd'hui est diffusée tous les samedis à 10h et 18h, ainsi que le dimanche à midi sur Radio Présence, www.radioprésence.com. Ce numéro, mais aussi tous les précédents, sont à retrouver en podcast sur les plateformes d'écoute. Il est l'heure de découvrir le 45 tours le plus vendu en France en 1969, et il n'est pas étonnant de retrouver Johnny Hallyday. Son nouveau succès est un cri d'amour signé de Gilles Thibault pour les paroles et Jean Renard pour la musique. On se quitte avec Que je t'aime sur Radio Présence. À la semaine prochaine! Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îlots au trésor. Que je t'aime,
bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit sans plus chatte, et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Cheval mort ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat. Je t'aime. Que je t'aime. Oh, que je t'aime.